Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, regarder où ce qu'on est. Hein? C'est merveilleux. Oui, on est dans un chalet. Hein? Ouais. Alors, on vous reçoit chez... Pas chez nous, en fait, dans un chalet qu'on loue à Sainte-Agathe-des-Monts. Mm-hmm. Regardez comme c'est bien. Avec vos petits feux. Vos petits feux, hein? C'est agréable. Hein? Il manquait que la petite peau d'ours, là. Ou de vache. De vache. Il y a mes d'ours, c'est plus moelleux que la vache. Oui, hein. Alors, alors qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? On va répondre à vos questions. Il n'y aura pas de visite d'abonnés. Par contre, je vous mettrai une petite vidéo à la fin, relaxante et inspirante. Un petit montage vidéo des images d'ici, très relaxant. Petite musique douce, voilà, c'est tout. Mm-hmm. Sinon, on a beaucoup de choses à dire, hein. On a des annonces. Oui. D'abord, on espère que vous allez bien. Oui. Et puis, bienvenue au chalet. Tu sais qu'en France, ils disent qu'il y a la cinquième vague. Oui. Et ça recommence, c'est... Espérons que ça ne va pas être comme ça a déjà été, que ça va pouvoir se passer mieux que la dernière fois, de toute façon. Hein. Mm-hmm. On verra bien, on espère le mieux. Mais moi, je me dis qu'on vit avec maintenant. Oui, on est parti pour vivre avec pendant un moment. On n'a pas le choix, là. Moi, je ne m'en fais plus. Hein. Sinon, on sera malade, puis ce n'est pas mieux, là, non plus. Hein. C'est ça. Vous savez qu'on a fait le webinaire. Oui. Hein, on va en parler un petit peu. On va parler un peu du webinaire de mercredi. De mercredi. On avait quand même pas mal d'inscrits. Je pense qu'on avait 3000. Non. 4000. Oui, oui. On avait 4200, un peu plus de 4200 personnes qui se sont inscrites pour assister au webinaire. Alors, il y a cette fameuse liste d'attente. Alors, à cause du système, c'est limité à 2500 personnes. Là, je vais vous faire un petit compte rendu de tout ce qui s'est passé parce que j'ai contacté les techniciens à ce sujet. Voilà, donc c'est limité à 2500 personnes. C'est-à-dire que tous ceux qui s'inscrivent se retrouvent dans la liste d'attente. On est vraiment désolé, mais ça s'est passé comme ça. Et on nous avait dit, si vous n'avez pas vos 2500 personnes en ligne, vous pouvez faire rentrer des gens de la liste d'attente. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai recontacté les techniciens après, ils ont dit, ah oui, non, ça ne marche pas comme ça. En fait, tout ce que vous pouvez faire maintenant, puisque vous avez beaucoup de gens sur la liste d'attente, effectivement, 4200 moins 2500, il y aurait 1600. Il y a 1600 personnes en liste d'attente, là. Ou 1500, je ne sais plus. En tout cas, c'est énorme. On ne pouvait pas les faire entrer un par un de toute façon, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, ce qu'on pouvait faire, ils nous ont dit, vous pouvez juste refaire un autre webinaire juste pour ces gens-là. Mais c'est sûr que nous, on n'a pas le temps de faire ça, puis c'est pas... faire un webinaire, on va faire d'autres, des nouveaux, puis ça va aller au mois de mars prochain. Alors voilà, le prochain webinaire que nous ferons, voilà comment ça va se passer, parce qu'il y a une option qui est faisable, c'est que on n'aura plus besoin de s'inscrire pour participer au webinaire. C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a jamais eu 2500 personnes en ligne, jamais, de tout le monde qui s'était inscrit, le maximum peut-être qu'on a eu, c'est 1600 en ligne en même temps, ou allez, 2000, maximum 2000, mais il y aura toujours assez de place pour tout le monde, en direct, je parle du direct. Donc vous pourrez rentrer, on enverra les emails pour ça, mais vous pourrez rentrer directement dans le webinaire, que vous soyez inscrit ou non, de toute façon il n'y en aura pas d'inscription, donc vous recevrez les liens, et vous pouvez y aller. Premier arrivé, il s'installe, il regarde, et tout le monde pourra y assister. Je suis certain que tout le monde pourra y assister, de ceux qui sont disponibles en direct. Mais ça va être tellement, ça veut dire qu'eux autres vont cliquer sur le lien la même journée? Au moment. On enverra le lien, ça commence dans 30 minutes, vous allez pouvoir vous rentrer dans la salle et vous attendez que ça commence, tout simplement. C'est sûr qu'on va les avertir à l'avance. Oui, on va avoir des emails pour vous avertir quand. Par contre, vous allez, pour rentrer dans la salle d'attente, il faudra quand même inscrire, je pense, une adresse email. Votre prénom et votre adresse email, je pense. Parce que pour nous, c'est important, parce que comme on fait des offres, on fait un cadeau spécial pour qu'on puisse vous envoyer les rappels, le bon lien pour aller chercher le cadeau, etc. Vous voyez, il faut vraiment qu'on puisse faire ça. Ouais. Donc, on va essayer ça, de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Ben, c'est ça. Puis on s'excuse vraiment, parce que tu sais, chérie, il y en a beaucoup qui m'ont dit, quand même pas mal. Il y en a quelques-uns qui étaient frustrés, puis c'est normal. Je vous comprends, parce qu'ils ont cancellé des choses pour être avec nous, puis tout ça. On s'en excuse. Vraiment, j'ai essayé, même quand on était en direct, il y en a une, elle a dit, t'as pas l'air d'être bien. Je dis, non, c'est pas que je suis pas bien, je suis en train de trouver une solution pour essayer de rentrer. Hein? Ben oui. Fait que j'essayais de faire ça, mais oublie ça. On avait le direct, il fallait que je me consacre à ceux qui étaient là.
Mais ceux qui étaient là, malheureusement, je ne pouvais pas rien faire. C'était, c'est toujours là. Hein, ouais. depuis qu'on fait des webinaires et qu'il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent, donc depuis peut-être les 4 ou 5 derniers webinaires, on est très embêté, très ennuyé avec ce problème-là. Mmh. Avant, tant qu'on était en bas des 2500, il n'y avait pas de problème. Mais là, au-dessus, c'est vraiment gênant. Mmh. C'est très embêtant. On va essayer de trouver une solution pour vous, pour que tout le monde qui est disponible en direct puisse y assister. Mmh. Après, pour aller le voir en replay, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite, là. Mmh. Vous pouvez être 5000 à aller le voir en replay. Il n'y a pas de, y a aucune limite. Il n'y a pas de problème. Mmh. Puis après, je leur dis, regardez le cours qui va sortir cette semaine dans la formation. Mercredi. Mercredi, vous allez voir, vous allez adorer. Ah oui, mercredi, ça va être ce mercredi. Non, lundi alors. Ok, dans la formation, la peinture, c'est facile. Oui, excuse-moi. Le cours de la semaine qui vient, dans le cours de lundi, c'est ça. Alors, c'est un peu spécifique parce qu'on nous avait demandé quand c'est qu'on fait des paysages d'automne, mais ça en est un, de paysages d'automne du Québec. Et justement, c'est un tableau qui est peint... à l'huile, je pense, oui, à l'huile. C'est un petit chemin dans la forêt en automne. C'est une photo qu'on avait prise quand on est allé dans notre stage en Outaouais l'année dernière à l'automne. Mm-hmm. Voilà, donc tiens, je vous mets la photo du tableau. Comme ça, vous pouvez la voir et admirer ce que vous pourriez, on va dire, apprendre à peindre. C'est un tableau, c'est un cours pas à pas, étape par étape. C'est pas si long que ça, c'est assez simple aussi. Ah oui, il dit pas non. Oh non, c'est bon, c'est bon. C'est comique. Vous allez aimer ça, je suis certain. C'est comique parce que, tu sais, sur Facebook, dans le groupe de Facebook, il y en a qui disent, parce que la semaine passée, il avait mis comment peindre son visage. L'autoportrait. Puis il y en a qui disent, mon Dieu, je ne suis pas capable de faire ça. Mais oui, mais René l'a fait peut-être quoi, deux heures? Maximum, moi, un autoportrait, oui. Imagine-toi, moi. Mais c'est ça, alors il y en a qui disent, oh, tu t'es grossi, tu t'es oui, gris, ouais. Moi, effectivement, j'ai pas oui, moi, j'ai, c'est vrai, je l'ai remarqué après, j'avais grossi un petit peu ma mâchoire, ma joue ici. Ouais. Il y a toujours un petit peu des petits défauts parce qu'on le fait, on bouge tout le temps, hein, c'est un autoportrait, on le fait devant un miroir. Pourquoi tu ne souriais pas? Et on ne sourit pas parce qu'on est très concentré. On a même l'air méchant. Ouais. On ne sourit pas, on est très concentré. On est comme sur les photos du passeport. Puis c'est ça, c'est pas fait avec des on prend pas les mesures, il n'y a pas de mise au carreau, c'est vraiment juste du visu comme ça là, tu sais. On peut pas se cadrer le visage, tu sais. Faudrait essayer ça. Ouais, mais si j'ai le temps, naturellement. Et qu'on va commencer les questions, chérie, parce que je n'ai pas mal. Je pense qu'on a oui, un autre petit truc. Oui. Un petit truc. Alors la semaine passée, on était encore ici à ce chalet, puis. J'ai fait un petit tournage ici dehors. Il y avait une petite trace de neige, pas beaucoup. J'ai fait une peinture sur le motif qui va être donc dans la formation aussi. La peinture, c'est facile. Qui part de la peinture parce qu'il n'y avait pas de soleil, vraiment dans la grisaille, peindre avec des grisailles. Je trouve que c'était assez intéressant. Et pendant que je peignais, il y a une mésange en tête noire qui est venue. Elle s'est posée sur mon trépied et sur le. Il est venu se poser sur la toile. Sur la toile, maintenant j'étais en train de peindre. Je vous le montre là. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, la mésange à tête noire est vraiment pas loin. Ce sont des oiseaux peu farouches. Et là, il est là, il est sur mon chevalet, là, sur mon trépied. Bon, mais sûrement qu'il est habitué d'être nourri à la main. Ah, il est sur la toile maintenant. Hop, il est parti. Ah, mais c'est beau pour dire que les animaux, hein, ils n'ont pas peur. Ben non, c'est, la mésange à tête noire n'est pas farouche. Hein. Non, je sais. On peut la nourrir à la main dans les parcs, oui. Mais la première fois que j'ai pris une mésange, je me rappelle, c'était au parc à Longueuil. Oui, puis tu m'avais dit, sympa. Regarde, puis moi j'étais comme ça. Puis il venait, là. Ah ouais, ouais. C'est bien. Et encore merci pour les likes que vous faites, pour tous les commentaires aussi positifs que vous faites pour nous. Là. C'est oui, très, merci très pour apprécié. Tout. Et tiens, encore un petit truc. La vidéo, la vidéo de YouTube de mercredi qui vient là, ce mercredi, ça va être aussi donc, une petite démonstration. On va parler d'un thème en particulier, une démonstration de peinture sur le motif. Ah oui? Oui, au chalet à Tchertsé. Ah, ok. C'est ce tableau-là. Ok. Ouais. Et puis, j'essaierai de faire une autre vidéo plus tard avec ce même tableau pour le terminer. Parce que là, il n'est pas vraiment terminé. Ce sera un petit peu un thème, comment terminer un tableau peint sur le motif, comment le terminer en atelier. Puis, on va regarder un petit peu, faire des analyses. Et puis,
le finir en atelier. Oui, on fera ça aussi. OK. Et qu'on commence? Allez, on commence pour les questions. OK, on commence avec Sylvie Bénin. Bonjour, bonjour Sylvie. Bonjour à vous deux. Je viens de revoir le pas à pas sur la danseuse. J'ai vu que vous utilisiez à un moment une spatule en silicone. Pourriez-vous nous faire une démonstration sur son utilisation de façon plus approfondie? J'ai déjà vu des vidéos où cela me permettait de faire des beaux fondus, mais il n'y a aucune explication. Alors d'abord, il faut expliquer. Ce tableau-là, je l'ai peint, c'est dans la formation, la peinture, c'est facile. Ouais. C'est un grand tableau, c'est dans un cours, dans les pas à pas. Donc, il n'est pas, c'est pas sur YouTube, hein, c'est pas tout le monde de YouTube qui comprendra ça. Donc oui, c'est un tableau assez grand. J'ai utilisé pour la première fois cette spatule. Honnêtement, je vous dirais que j'ai beaucoup aimé ça l'utiliser, mais je n'en ai pas d'autre expérience, vraiment. Je suis plus traditionnel avec le couteau, normalement. Mais là, c'était vraiment pour étendre quelque chose de grand, des grandes surfaces rapidement. Je pourrais un jour, mais j'en ai qu'une, j'en ai pas acheté plusieurs. Alors oui, je pourrais peut-être un jour en acheter quelques-unes, me pratiquer un peu, apprendre moi-même à l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les possibilités. Pourquoi pas, je pourrais faire ça, mais pas dans l'immédiat, j'ai pas les capacités de le faire. Non. Il fait chaud, hein? T'es en train de cuire, moi. Mais je me pratique pour le Mexique. Oui, je pense. En fait, que... si vous avez quelque chose, je sais pas, une saucisse, une merguez, on pourrait en profiter. Avec un bon café. Un café à cette heure-là. Oui, on est au café, là, oui. Mais quand tu... Excuse-moi, quand tu parlais d'une spatule en silicone, moi, je pensais que c'était une spatule à gâteau, tu sais. Ça pourrait quasiment, on pourrait quasiment, oui. OK, on continue avec Anna Emilia. Bonjour, Anna. Pour répondre à votre question sur votre cours de couleur, je l'ai en effet acquis récemment et je le trouve excellent. Très bien expliqué, indispensable, pour qui veut réaliser ces mélanges de couleurs sans avoir à utiliser une quantité de tubes. C'est bien. Pour ma part, je m'essaie au pastel sec, par goût, plus attirée par ce médium. Je suis confrontée toutefois à l'absence de couleurs désignées comme cyan et magenta. Mm-hmm. Comme vous le savez, il y a une quantité de bleu, rouge, jaune, rouge et jaune au pastel et les mélanges possibles sont innombrables. Oui, oui, oui. Pourriez-vous simplement me dire quels sont les pigments indiqués sur les tubes de cyan, magenta et jaune primaire afin que je puisse éventuellement les retrouver au pastel sec? OK. Alors, dans un sens, oui, je pourrais, mais là, je n'ai pas mes tubes avec moi. Oui. Mais par contre, alors, de mémoire, comme ça, je pourrais vous dire, je pense que le jaune primaire... Vous pouvez le comparer, si vous avez du jaune azo clair ou du jaune ansa clair, c'est un de ces deux jaunes-là qui va être utilisé pour faire le jaune primaire. Et malheureusement, quelquefois, quelques fabricants, quelques marques vont rajouter du blanc de titane. Il vaut mieux pas parce que si on veut faire la roue des couleurs ou vraiment des exercices avec les couleurs primaires, le blanc va vraiment déranger. Donc, juste un jaune ansa ou un jaune azo clair, c'est bon. Ça vous fait vraiment le jaune primaire. Excusez, il y a le micro qui est là, puis je suis en train de mettre tes pieds, puis il me regarde. Elle va vous mettre les coups de pied dans le micro. J'ai mal à peur à mon genou. Pour le bleu primaire, le cyan, sur les tubes, si vous regardez, ça va toujours être marqué PB15. 2.3, je pense, PB15 2.3. En fait, c'est du bleu phtalo. Bleu phtalo ou bleu phtalo nuance de vert. Et là aussi, certains le mettent pur et d'autres avec du blanc de titane. Un petit peu de blanc. Donc, le bleu phtalo, un petit peu de blanc, c'est ça, le cyan, généralement. Pour le magenta. Alors, pour le magenta, ça va être un PR, ou même deux PR, quelque chose. Mais c'est ça que je n'ai pas en tête. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas. Il y a le rouge quinacridone qui, je pense, est utilisé, puisqu'on a souvent, on voit le magenta quinacridone, mais honnêtement, non. Alors, par contre, s'il y en a parmi vous qui écoutez cette vidéo et que vous avez un tube de magenta entre les mains, si vous voulez bien le marquer dans les commentaires, la composition de votre tube de magenta, à ce moment-là, ça rendra service à Anna qui va pouvoir, à ce moment-là, identifier ces pigments-là
pour aller chercher l'équivalent en pastel, sec. T'es gentil. Oui, hein, pourquoi pas. Finalement, soyons solidaires. Ben oui. Regardez, on vous fait profiter du feu, hein, quand même. On continue avec Monique Saint-Pierre. Bonjour, bonjour Monique. Présentement, je fais une scène de New York, de nuit. Il y a beaucoup de lumière. Oh, c'est bien ça. Oui. En avant-plan, c'est le pont de Manhattan. Il est éclairé de beaucoup de lumière. Oui. Quel serait le meilleur mélange de couleurs pour donner toute la luminosité et la brillance? Là, elle est très embêtée. Alors, je vous dirais que... qu'est-ce que c'est qui fait... Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est qui fait la lumière, qui crée la lumière? Et ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. C'est le contraste? Qu'est-ce qui donne l'effet de la brillance et de la forte lumière? Contraste, non? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Pour que ce soit fort, que la lumière soit forte, il faut que les foncés soient très forts. Il faut que vous ayez des zones foncées très fortes. Mm. Et à ce moment-là, vos lumières vont briller. Mm. Regardez, tout ce que vous avez de plus brillant dans votre peinture, c'est le blanc. Hein? On va dire le blanc de titane. On peut augmenter un petit peu la brillance du blanc de titane en lui ajoutant un petit peu de la couleur complémentaire de ce qui est de la couleur qui est foncée et alentour. Par exemple, si votre foncé alentour, il est bleuté, admettons vous avez du foncé bleu dans le ciel, vous mettez un petit peu d'orange et très peu dans votre blanc, il va paraître plus lumineux. Par contre, si vous avez un éclairage, une atmosphère brunâtre, rougeâtre, vous savez, du noir rougeâtre ou brunâtre à l'entour de vos lumières, ben à ce moment-là, il faudrait mettre un petit peu de bleu dans la lumière, très peu dans le blanc. Et là, ça va créer la luminosité. Pour chaque point de lumière, ajoutez-y un petit peu de la une touche de couleur complémentaire de ce qui est à l'entour et foncé. Et si vous voulez que ça brille plus, que ça ne brille pas assez, ben il faut trouver le moyen de mettre du foncé à l'entour de ça, plus foncé. Peut-être qu'il y a des endroits où vous mettez trop de blanc, où ça doit être plutôt orangé, plutôt brun même. Hein, regardez toutes les, on va dire, des peintures de nuit, de nocturne, qui ont été faites, cherchez sur Internet, et vous les regardez, vous essayez d'analyser les lumières et ce qui n'est pas dans la lumière, le foncé. Analysez, essayez de voir comment ça a été fait, comment ça a été représenté. Analysez-le sur des photos de peinture qui représentent ce que vous voulez vous représenter, ce qui va bien représenter la luminosité que vous souhaitez avoir dans votre tableau, parce qu'il y en a qui sont plus éclairés que d'autres. Il y a des villes aussi, là, je ne sais pas, quand vous dites New York, admettons, c'est le centre-ville de New York, les immeubles tout éclairés, il y en a tellement de la lumière, tout ça est tellement éclairé que c'est le tableau complet qui est pâle, qui est clair. Il va y avoir seulement peut-être quelques zones, quelques petites touches foncées, très foncées, mais il n'y en aurait pas beaucoup. Et là, le tableau est tellement clair que c'est le tableau complet qui nous éblouit, et il ne peut nous éblouir que s'il y a ces références foncées quelque part. Il faut qu'il y ait ces références-là, sinon on ne comprendra pas. Ce n'est pas facile, mais quand on sait comment ça se fait et qu'on le fait comme il faut, ça fonctionne, ça marche. C'est une question de réglage de valeur. On continue avec Culture Créative. Bonjour, bonjour. Culture Créative. Je ne sais pas comment le dire. Bonjour à vous. Ça pourrait être Culture Physique aussi. Hein. Mais ça fait un peu plus transpirer. Comme là, il est chaud ici. Je sens la chaleur, mais elle est agréable. Ah ouais. OK, il dit ou elle dit, je voudrais apprendre comment utiliser le gel médium, mat, transparent et à l'huile. Gel médium. Gel médium, mat, transparent et à l'huile. OK, les gels sont toujours transparents. Ce sont toujours des médiums, médium gel, OK. Mat, ça se peut. Mais gel médium mat à l'huile, je ne sais pas, je ne connais pas ça. Je vais vous dire ce que je connais. Bon, les gels médium mat, c'est acrylique. Liquitex, Golden, ce que vous voulez, il y en a. Gel médium mat. Mais à l'huile, il y a du gel médium. Médium gel à l'huile, sans solvant ou avec solvant, comme le à l'alkyde aussi, oui. Mais bon, c'est quoi la question en fait? Je voudrais apprendre comment utiliser. Apprendre comment utiliser. Bon, regardez. Mais dans la formation, tu ne montres pas, toi? Ça dépend des... Oui, il y a dans la formation, et donc dans la PrEP aussi, dans la PrEP qu'on a offert pendant le webinaire, là,
dans le matériel, il y a les médiums. Et je parle justement des médiums que vous pouvez acquérir et comment s'en servir. J'explique tout ça. C'est sûr, dans la formation, il y a bien des vidéos où on l'utilise aussi, parce que les utilisations du médium sont immenses. Mais si c'est à l'huile, médium gel à l'huile, tiens, si vous voulez vraiment faire de la transparence, c'est ça? Pour faire de la transparence? Moi, transparent. Oui, transparent. Ils sont tous transparents, mais c'est volontairement pour faire des glacis ou autre, c'est d'utiliser le lichen à l'huile. C'est le meilleur médium gel à l'huile. Ah, mais il n'est pas mat, il est brillant. C'est mat, c'est brillant, toujours brillant. Je n'en connais pas des mats. Voilà, c'est à ça que je voulais venir. Des mats, je n'en connais pas. Regardez, je vous mets... ici, là, je vous mets un petit lien, là, une petite fiche. Vous allez pouvoir télécharger le guide, un e-book sur tous les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Et là, on vous explique vraiment tous les gels qui existent, les médiums, et comment les utiliser. C'est bon? Je vous le mets ici, comme ça, vous allez avoir la réponse à votre question et votre référence. Ok, c'est super. On continue avec Lucette May. Bonjour Lucette. Pourriez-vous nous faire une démo avec les pastels secs, s'il vous plaît? Les pastels secs. On m'a déjà demandé ça. Moi, c'est quoi? J'aime mieux pastel sec à l'huile. Oui, ben c'est plus populaire aussi. Ah, mon Dieu, j'aime mieux ça. Ben, la dernière fois, j'ai fait une démo de pastel à l'huile et bâton à l'huile. C'était pour montrer la différence entre les deux. Je pourrais faire une démo de pastel sec. Je pourrais, mais ça n'est pas ma spécialité. J'en ai fait, j'en fais occasionnellement, très peu. Ce n'est pas ma spécialité. J'aime beaucoup ça, mais ce n'est pas ma spécialité. Et je ne voudrais pas... si je fais une démo avec ça sur YouTube, je vais avoir le syndrome de l'imposteur. Vous savez c'est quoi? C'est lorsqu'on montre quelque chose dont on n'est pas vraiment... c'est pas notre spécialité. On n'est pas vraiment très fort là-dedans. On n'a pas énormément d'expérience là-dedans. Puis on veut montrer aux autres comment le faire. Non, je ne le ferai pas. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait quelques cours de pastel dans la formation La peinture, c'est facile. Il y en a un. C'est les bases du pastel sec. C'est tout. Ouais, j'ai peut-être fait un petit peu de crayon pastel à un moment donné, des choses. Mais là, mon but, hein, c'est pas de continuer de faire ces choses-là dont je ne suis pas en grande maîtrise, mais c'est de faire intervenir d'autres professeurs dans la formation. Et là, au mois de juin, on va commencer à faire des tournages de vidéos avec un autre professeur au mois de juin. Et on va commencer à mettre des cours de pastel sec dans la formation. C'est un professeur que je connais personnellement, qu'on connaît. On a... qui a travaillé pour nous à notre atelier. Elle a un beau nom. Oui. Elle s'appelle Linda. Oui, elle est vraiment bonne là-dedans. Elle est plus spécialisée, voilà. Et là, j'aurais vraiment pas de... j'aurais pas de gêne à montrer ce qu'elle fait. Alors que quand je montre ce que je fais, moi, oui, j'ai plus de gêne. Et oui, puis là où il y a eu gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais, c'est vrai. Ok, on continue avec Romain Idiot. Bonjour Romain. Je l'ai dit Romain Idiot, excusez. C'est la fatigue, hein? Ne vous inquiétez pas, ça va. Elle va émerger à un moment donné. Oh oui, excusez Romain. Il dit, vous utilisez quoi comme palette? Mon Dieu. À chaque fois que je fais une démonstration, on me le demande, hein, à propos de quelle vidéo Ça dépend. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la palette grise, palette de Oui, mais c'est dans quelle vidéo? Oh, ben, il ne dit pas. Est-ce que c'est quand j'ai peint sur le motif? Non. Hein, ça, il a posé la question probablement dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo de la semaine passée. Oui, OK. Bon, allez, on va y aller. Sûrement, ce n'était pas dehors parce qu'elle va sortir samedi prochain. Alors, c'est une palette grise en feuilles de papier détachable. La marque, c'est Masterson, je pense. En fait, il y a deux modèles, j'en ai deux modèles. Donc, si vous tapez palette grise, vous allez trouver ça sur Internet, dans les magasins de matériel d'artiste, ou même sur Amazon, vous allez la trouver. Palette, peinture, grise, palette jetable, hein, en papier jetable grise. Si vous mettez la recherche en anglais, c'est sûr que vous allez trouver, parce que c'est un produit anglais, anglophone. Je pense que c'est fabriqué aux États-Unis, celle que j'utilise à Masterson. Oui, c'est pratique parce que le gris, c'est neutre. Ça nous permet de mieux évaluer nos valeurs, les valeurs des couleurs qu'on mélange sur la palette. C'est vraiment bien, oui. On continue avec Roger Pintal. Bonjour, Roger. Bonjour, Roger. Lui, il y a une question, mais il m'a donné ça. Ah oui? Oui.
Alors, je commence à lire, hein. Non. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu. Oui, vas-y. Tu as écrit le début, probablement. J'ai été faire une recherche pour vous. Cet été, j'ai découvert, dans le Var ou la Vendôme, le peintre belge Théo van Rijsselberghe. Je le dis bien. Je dirais van Rijsselberghe. Van Rijsselberghe. OK. Classé comme post-impressionniste et plus précisément comme l'un des principaux représentants du divisionnisme. OK. Est-ce que tu connais ce mouvement? Puis si tu le connais, tu peux t'en parler? Ce mouvement-là? Le divisionnisme? Oui. Ben, c'est simple, c'est la manière de dire que les couleurs sont déposées sur la toile par petites touches, divisées. Et que c'est le mélange visuel de ces touches de couleurs qui va réaliser le mélange de couleurs. Le pointillisme, c'est du divisionnisme. Je dirais que c'est l'autre nom, pointillisme, divisionnisme. Ben oui, Sauf que le pointillisme, c'est des petits points. Le divisionnisme, tu pourrais le faire par petites tâches un peu plus allongées, un peu comme, comme Van Gogh, c'était un petit peu du divisionnisme aussi. De toute façon, ça fait partie du post-impressionnisme. Les pointillistes, c'est du divisionnisme. Si on regarde, tiens, par exemple, les toits rouges de Pissarro, à un moment donné, c'est de l'impressionnisme, mais presque pointillisme un peu, là. Regardez les toits rouges de Pissarro, où ce qu'on a reproduit, là, la cueillette des pois, je pense. Il y a tellement de petits points, de petites touches, de couleurs quand même assez vives. C'est ça, en fait, c'est le principe est là, tu fais des petites touches de rouge, des petites touches de bleu, puis on va voir du violet. Vois-tu? Tu fais des petites touches de jaune, des petites touches de rouge, puis on va voir de l'orange, alors qu'il n'y a jamais eu de l'orange posé sur la toile. Non. Alors oui, je suis allé voir un petit peu ces tableaux aussi. Ben, c'est très beau, c'est très très bien. Si vous voulez savoir, en savoir plus, vous allez dans Wikipédia, vous marquez son nom, puis vous allez tout avoir sur lui. Des thèmes reconnus dans les impressionnistes, comme les baigneuses, hein? Les baigneuses qu'on voit ici, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu ce tableau-là, et le pensant que c'était d'un autre artiste. Hein, comme on voit aussi la promenade, c'est très beau, ça fait penser à des tableaux de... C'est ça, des Renoir, des Monet, des Morisot. Moi, c'est ma préférée. Regarde, d'ailleurs, on voit un tableau de Jeanne Pissarro aussi. Ah, okay. Jeanne Pissarro qui est ici, donc oui, c'est... Hein, c'est... Moi, j'en mange de l'impressionnisme. Je trouve ça tellement beau. C'est bon. Mais surtout quand j'étais voir le Berthe Morisot, là. Oui, l'exposition à Québec. L'exposition, c'était super. Ah oui, c'est vraiment... ils ont créé vraiment une super belle technique qui traverse les siècles et qu'on peut, je dirais, encore aujourd'hui interpréter de manière libre et tout le temps différente. On peut toujours innover dans l'impressionnisme. Excusez-moi. Ah, mais je me suis levée tôt un matin. Oui, ben oui. Je me suis levée à 6 heures, je pense. Puis, on n'a pas arrêté de la journée non plus. Allez. Bon, on continue avec Jacques, en plus. Jacques Dacoune. Bonjour, Jacques. Allô, Jacques. Comment ça va? Ça va? Il est comique, lui. Il dit une petite question. Écoute ça. Petite question. Ah, ouais, écoute. J'ai une amie, son prof de peinture. Lui fait dessiner avec de la craie blanche aux couleurs, suivant le fond. Pourriez-vous me donner votre avis et éventuellement les avantages ou les inconvénients? Avez-vous essayé? Il y en a-t-il dans la formation? Là, c'est plus une question, là. C'est tout? Ah, oui. Oui, ben écoutez, dans la formation, dans le module Le Dessin, dans le cours Quel outil utiliser, je pense, ou les outils pour dessiner, bien sûr, je dis là-dedans qu'il vaut mieux éviter le crayon graphite, le noir, parce que c'est très difficile à effacer, à cacher, ça ressort des fois à travers les couches de peinture. Et là, donc, je vais proposer les autres outils pour dessiner sur une toile. Il y a le fusain à esquisse, il y a la sanguine, la peinture directement, la sanguine, donc, il y a à l'équivalent de la sanguine, le sépia, et la craie aussi, pourquoi pas la craie. D'ailleurs, le sépia, la sanguine, ce sont des craies. Ça peut être des pastels, des crayons pastels, des crayons de couleur. Donc oui, la craie. J'ai fait certainement que j'ai dû faire des tableaux où j'ai utilisé la craie, pas la craie, mais la sanguine, par exemple, avant de peindre.
Ben, généralement, je vais utiliser la craie blanche pour dessiner, vraiment. Sur un fond noir. Oui, c'est ça, sur un fond noir, un fond foncé. Alors, mais là, c'est sûr que si je pars sur... Oui, la craie blanche, je l'ai utilisée sur de la toile foncée, la toile noire, par exemple, ou très foncée. Certainement, lorsque j'ai fait un paysage de nuit, dans la formation, regardez, cherchez les paysages de nuit, vous allez voir que il y en a un qui est très complexe avec beaucoup de maisons et tout. Et je l'ai fait avec certainement la craie blanche, oui. Souvent, je vais peut-être essayer de commencer avec un crayon blanc, puis je me dis, ah ben ça marque pas assez, on y va avec la craie. La craie, elle marque beaucoup plus, c'est plus facile. Donc oui, dès que le fond est foncé, la craie blanche, ou ça peut être une craie ou un pastel, pas forcément blanc, mais pâle, tu sais, un jaune de Naples, quelque chose, un écru, un beige très pâle, ça fait vraiment le travail. C'est comme on pourrait prendre du jaune, du rouge, de l'orange. C'est facile en plus à... Alors c'est facile à effacer, oui. Facile à cacher avec la peinture. C'est vraiment, il y a des avantages. Peut-être l'inconvénient, c'est que ça peut s'effacer trop facilement aussi. Ouais, faut faire attention. Si vous avez peint votre fond, admettons, avec une couche d'huile qui a séché, la craie va glisser dessus, un petit coup de doigt ou de chiffon, hop, elle va partir. Hein. Donc peut-être mettre un coup de fixatif avant de commencer à peindre, peut-être. Ouais. Selon le cas vraiment. Ouais. Ok, on continue avec Jean-Jacques Moreau. Bonjour Jean-Jacques. Comment éviter que le vernis à retoucher soit à certains endroits légèrement collant après 2 semaines de séchage? Est-ce que je mets trop épais? Sinon, comment le faire plus... comment le faire sécher plus vite? Alors, d'abord, je répondrai par une question. Êtes-vous certain d'avoir appliqué votre vernis à retoucher sur une toile qui était entièrement recouverte de peinture à l'huile? Par exemple, si vous faites un fond en acrylique et que vous peignez à l'huile dessus, ou si vous faites une première couche à l'acrylique et la deuxième à l'huile, dans un cas comme dans l'autre, si jamais il y a des endroits où il vous reste de l'acrylique en surface, vous mettez du vernis à retoucher sur de l'acrylique, on a l'impression que ça ne séchera jamais. C'est le seul moment où, pour moi, j'ai eu l'expérience que le vernis à retoucher restait collant. Sinon, sur de la peinture à l'huile, même avec des couches épaisses, même avec beaucoup de couches, ça séchait très vite. J'ai jamais eu ce problème-là. Jamais, jamais avec du vernis à retoucher que ça reste collant, sauf si j'avais de la peinture acrylique en dessous. Alors, peut-être que ce n'est pas votre vernis qui est trop épais ou qui est trop long à sécher. Est-ce que votre peinture était assez sèche avant d'appliquer le vernis aussi? Vous voyez, ça, c'est deux questions qu'il faudrait se poser. S'il n'y a pas du tout d'acrylique en dessous, le vernis, là, en contact avec le vernis, si votre peinture était entièrement sèche au moment d'appliquer le vernis, c'est-à-dire bien sèche au toucher, t'es, vous touchez là, j'ai pas de peinture sur les mains, c'est sur le blanc n'est plus collant, il colle plus du tout, on peut vernir. Si c'est dans ces conditions-là que vous avez appliqué le vernis et qu'il est toujours pas sec, eh bien, je ne connais pas la solution. J'ai jamais connu ça, je ne sais pas. Ça se peut-tu que ça soit le vernis qui est plus bon, qui peut être expiré, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que même si on en met épais, ça sèche très vite. Le vernis à retoucher, là, je vous dirais, en 1 heure, c'est sec. Mm. 1 heure. Pas des mois, là, pas des semaines. Ouais. Donc, je ne sais pas. Okay. Je suis désolé. On continue. Par contre... On ne continue pas. Si parmi vous, là, les 82 500 personnes qui écoutent cette vidéo, quelqu'un a une expérience là-dessus et pourrait nous en donner plus d'indications, vous avez un espace de commentaires sous la vidéo pour le faire, faites-le. Vous gênez pas. Okay. On sait, on a beaucoup de commentaires très agréables, d'appréciation, énormément. Ça partage aussi. Et on a parfois Jean-Jacques qui vient nous mettre aussi des informations très pertinente en grosse quantité là-dedans. Ouais. C'est un véritable livre, une encyclopédie, Jean-Jacques. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Mais n'hésitez pas, allez-y, vous aussi. Déballez vos connaissances, c'est bon pour tout le monde. Moi, bon. J'apprends aussi. C'est bon pour la morale. Ah oui, comme dirait la compagnie Queol. Ok, on continue avec Marco Morgano. Bonjour, bonjour Marco. Marco. Pour la peinture à l'huile soluble, si je comprends bien, il faut seulement tremper le pinceau dans l'eau avant de peindre. Et sans médium. Oui. Oui, c'est ça. Vous pouvez diluer votre peinture à l'eau et nettoyer votre peinture à l'eau sans aucun médium. C'est fait pour ça. Et le temps de séchage, je pense qu'il pose la question sur le temps de séchage après, non? Non, mais plus médium. Oui.
Le temps de séchage, c'est pareil qu'une peinture à l'huile normale. Là, c'est long. C'est long à sécher. Quand même? Oh oui, oui. Peinture à l'huile sur l'huile ballot, c'est long à sécher. Oui, oui, oui. C'est parce que l'huile, c'est toujours pareil. C'est parce que, ok, si vous mettez de l'eau pour la diluer, sûrement que l'eau va s'évaporer. Ça sèche par évaporation, mais l'huile de lin qui est dans la peinture, parce qu'il y a de l'huile de lin, elle va continuer à sécher par oxydation au contact de l'oxygène. Ça va être très long, comme une huile de lin normale, comme une peinture à l'huile normale, c'est ça. L'huile de lin, on sait que ça prend un temps pour sécher, mais on sait que ça sèche. Hein? C'est ça qui est important. Mettez de l'huile d'olive, ça ne séchera peut-être jamais. Hein? Ok, on continue avec Elisabeth. Bonjour, bonjour Elisabeth. Elle, là, les prochains, c'était, tu sais, quand on a eu le webinaire? Oui. Sur les couleurs? C'est-tu le webinaire qu'on a eu sur les couleurs? Qu'est-ce qu'on a eu sur les couleurs? Oui, un webinaire, le mois d'avant. Ben, le c'est mois d'octobre, ça. Le webinaire ah, le mois ben, d'octobre. Ah, ben c'est ça, là, il me semblait, là. Puis j'avais pris des questions aux personnes, puis là, j'arrive aux dernières, là. Ah, bon. Fait que c'est Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Elle me demande, peut-on utiliser l'acrylique pour un rendu imitant l'aquarelle? Avoir de la transparence? Merci de votre réponse, vous êtes très pédagogue. Oui, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup, enfin, il y a des artistes qui utilisent l'acrylique comme de l'aquarelle, oui, c'est vrai. Surtout, avant qu'ils fassent des toiles, spécifiquement pour la peinture aquarelle, parce que maintenant il y a des toiles pour l'aquarelle. Avant, il y avait certainement beaucoup plus d'artistes qui faisaient de l'acrylique, on va dire, style aquarelle sur toile. Mais maintenant qu'ils ont fait des toiles, qui font des toiles pour l'aquarelle, sûrement qu'il y a des artistes qui maintenant font de l'aquarelle sur toile. Mais avant, il fallait le faire en acrylique. Et on peut donner l'aspect de l'aquarelle avec de l'acrylique, utiliser l'acrylique. De manière très transparente, hein. C'est comme si on travaillait tout le temps en glacis, tout le temps, avec du médium, beaucoup de médium à glacis. On peut utiliser aussi de l'encre acrylique sur toile ou de l'encre aquarelle. Essayez ça. Vous achetez des petits pots d'encre et vous utilisez ça avec un pulvérisateur à eau, de l'eau, du médium à glacis, du médium normal, liquide. Même du médium gel, essayez, vous allez voir, vous allez vous amuser et puis vous allez faire des choses extraordinaires parce que, comme dans l'aquarelle, vous allez pouvoir utiliser le blanc de la toile. Bien sûr, il vaut mieux la blanchir avant hein, parce que le gesso n'est pas assez blanc. Vous pouvez blanchir votre toile avant avec de la peinture blanche acrylique et exploiter ce blanc pour générer vos lumières et travailler comme avec de l'aquarelle. Bien sûr, ça se fait tout à fait. Et on peut même, je pense, utiliser la gomme de réserve. Là, on appelle ça... la gomme à masquer. La gomme à masquer pour l'aquarelle, l'utiliser sur toile pour faire de l'acrylique, puis vous pouvez la retirer après. Ça empêche la peinture de se déposer à certains endroits et on peut la retirer. Mais c'est de l'acrylique, hein. On pourrait très bien revenir avec du blanc après, un petit pinceau, ça ferait la même chose. C'est sûr, mais... Je dirais que ben, vous avez l'avantage de l'aquarelle et de l'acrylique en même temps, dans le sens où vous pouvez travailler un peu comme l'aquarelle, et vous avez la possibilité d'apporter vos corrections comme en acrylique et de superposer, même en opacité, certains endroits si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un tableau qui serait mixé avec des parties un peu aquarelles et parties un peu plus opaques. Pourquoi pas? Ça ben laisse oui. Encore une fois beaucoup d'éventails de créativité. Hein. On continue avec Serge. Il demande... bonjour Serge. Bonjour Serge. Il dit comment faire des couleurs transparentes? Un glacis. Ben, un glacis. Un glacis. Des glacis. Comment faire des couleurs, Serge? Regardez la vidéo dans YouTube. Là, vous allez chercher sur la chaîne, ma chaîne YouTube, là, Atelier René Milon. On a fait une playlist d'une nature morte. Ah, bah oui. La nature morte, elle est faite au glacis du début jusqu'à la ouais. fin. Ouais. Et vous avez des parties d'une couleur, d'une autre couleur. On fait les ombres, on fait les lumières, on fait tout là-dedans. Le glacis à l'huile, ça se fait avec de la peinture transparente et du médium du liquin. C'est l'idéal, c'est le liquin. C'est à l'huile qui demande ou... L'argan. Et si c'est un acrylique, ben avec des peintures acryliques transparentes et du médium pour glacis, un acrylique. C'est l'idéal aussi. Alors, c'est toute une démarche, c'est difficile. Quand on ne sait pas le faire, c'est dangereux.
parce que, ben, surtout en acrylique, parce que on doit appliquer les couches transparentes les unes sur les autres quand celle d'en dessous est bien sèche. Et en acrylique, toute l'importance est là, que ce soit très, 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 très sec. Parce que des fois, on dit, oh, c'est sec, c'est bon, je peux commencer la deuxième couche ou la troisième. Faut faire attention. Et puis là, le fait de mettre de la nouvelle peinture, ça dilue un petit peu la surface de la couche précédente, qui était sèche juste en surface. Et en dessous, c'était encore un petit peu frais. Puis là, ça va décoller ce qui était fait en dessous. Puis ça fait un massacre. Il faudrait laisser sécher, remettre l'opacité d'en dessous. On recommence tout depuis le début. Avec le séchoir. Oh, ça, on peut rien faire. Non. C'est quand le dégât est fait, il est fait. Il faut revenir faire l'opacité en dessous et tout. On repart du zéro. Ouais. On repart du fond. Mais c'est ça, c'est compliqué un petit peu. Il faut savoir. Voilà. Quand on sait, il n'y a pas de problème. Ça va très bien. Il faut juste bien savoir. Et donc, là, je ne pourrais pas tout vous expliquer en quelques minutes. Ça prend des heures. Et puis le mieux, une image vaut mille mots. Allez voir la vidéo que je vous dis. Vous allez voir, ouais. OK, on continue avec Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Marlène. Elle dit qu'elle peint en frottant sa toile. C'est quand même assez spécial. Oui. C'est troublant. Parce qu'elle utilise l'acrylique et l'huile sur la même toile quelquefois. Est-ce que ça se fait? Non. On peut frotter. Oui, il y en a qui frottent beaucoup là, le pinceau sur la toile, qui peignent en frottis. Même moi, des fois, selon le cas, ça m'arrive. Ça je peux le faire. On peut le faire aussi en peinture à l'huile. Mais mêler l'huile et l'acrylique sur la toile, il ne faut pas les mêler dans le frais, là. Non. Vous pouvez faire une première couche en acrylique, une deuxième à l'huile, mais on ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile, ça pourrait très bien se décoller plus tard, ça ne tiendra pas. L'acrylique, c'est de la matière plastique qui pourrait s'enlever par la suite si vous mettez ça sur une surface grasse. Donc, on ne peut pas. Maintenant, travailler par frottage comme ça, oui. Généralement, c'est soit ça se fait parce qu'on veut faire des petits dégradés, mettre très peu de couleur, faire un très léger changement de couleur quelque part, ou bien c'est parce qu'aussi on manque de confiance et qu'on a peur de mettre trop de peinture, qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Ça, c'est les deux cas de figure où on va utiliser cette manière-là. Donc, si vous aimez ça, si ça donne un style de peinture que vous aimez comme ça, que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de danger pour la conservation du tableau, parce que vous ne mélangez pas les deux, vous faites l'acrylique d'abord et l'huile après, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous pouvez continuer comme ça, puis nous montrer ce que vous faites sur le groupe Facebook. Mm-hmm. Hein, comme ça, vous allez pouvoir nous montrer, puis on va pouvoir apprécier ce que ça donne comme résultat. Pourquoi pas? Tu dis quoi? Celui que je suis en train de faire, mes petits bonhommes, là? Oui. Moi, je frotte avec mon doigt des fois pour atténuer. Oui, c'est à l'huile, tu fais un dégradé avec le doigt. Ben oui, mais il faisait ça, Léonard de Vinci. Mais c'est ça. Puis je trouve que ça faisait plus beau qu'avec le pinceau. Parce que moi, il y a un gros nez, là. Je ne sais pas quoi, Yoshi. Fait que j'y frotte, là, puis ça tout a été bien. Là. Je trouve ça parfait. Léonard de Vinci faisait ses sfumatos, il faisait ses dégradés avec le doigt. Ah, ben oui. On voit parce qu'il a laissé les empreintes au-dessus du tableau. On finit avec William. Bonjour William. Il dit « Bonsoir, je suis William et j'habite Paris. Que pensez-vous de la peinture à l'huile qui se dilue à l'eau? Est-ce que le temps de séchage est plus court? » Ah, elle est là, la question sur le séchage. Oui, est plus court ou plus long? Parce que je pense que c'est de la bonne peinture, de bonne qualité, c'est de la peinture fine, excellente. Ça se dilue à l'eau, mais le temps de séchage, je l'ai dit, c'est aussi long que de la peinture à l'huile normale. Pareil. Et donc, on ne gagne pas sur le temps de séchage, c'est sûr. Mais ça donne les mêmes résultats, même qualité. La consistance de la peinture, c'est qu'elle est un petit peu plus fluide, un petit peu moins épaisse que la peinture à l'huile normale. Mais sinon, on en avait qui s'en servaient à l'outil à l'atelier. J'aimerais ça l'essayer, moi. J'en ai un petit peu à la maison. Ouais, Oui, j'en ai un petit peu. J'en avais acheté aussi pour le... J'ose pas fouiller dans tes affaires. Non, mais même moi, je ne sais pas où elle est, il faut que je la cherche. Moi non plus, j'aime pas fouiller dans mes affaires. Ah, il est quasiment fini, là. Ben, c'est ça, nous avons parlé le temps d'un feu. Nous, il a parlé. Il parle tout le temps. C'est fini? Ben oui, c'est fini. Mais attends, moi, je vais me reprendre quand je vais leur donner mes petites recettes. OK, donc la semaine prochaine, on va avoir des visites. On va commencer des visites. On va mettre une visite. Non, l'autre semaine après. À l'autre après? Oui, c'est le 8. On va visiter les gens le 8. Le 8. OK.
Je ne sais plus quel jour on est. Mais probablement, la semaine prochaine, je vais commencer à faire une recette, puis m'aller intégrer samedi prochain. Et moi, je vais te la... Moi, je vais te la désintégrer, la recette. Ah ouais. Je vais faire le sucre à crème la semaine prochaine. Encore, le sucre à crème? Avec ma fille Isabelle. OK. OK? Fait que je vais vous montrer comment faire du sucre à crème. C'est épatant. Je le fais à l'avance parce que ça se conserve, c'est du sucre. Hein. Puis, Et de la crème. Et de la... Non, il n'y a pas de crème. Sucre à la crème sans crème, alors. Ben oui. Ici, il y a une compagnie qui s'appelle Laura Socar. C'est une compagnie de chocolat, comme vous, chez vous, c'est... Ouais, c'est ça. Comment ça Jeff de Bruges. Ouais, c'est ça, j'ai dit Bruges. Jeff de Bruges. Ouais. Mais ici, c'est reconnu ici au Canada, Laura Socar, puis c'est le sucre à la crème de Laura Socar. Ah, c'est sa recette. Oui, ben, okay. C'est facile la recette. Ben, je ne vous dis pas tout de suite. Non, tu vas nous le montrer rapidement, comme ça, tu as un petit clip vidéo. Ouais. Fait que ça, la semaine prochaine, je vais vous mettre ça. Je vais commencer le temps. Puis ça, on va être dans le temps des fêtes, là, la première semaine, deuxième. Je vais commencer à leur faire ça. Ça va être à mon tour de parler. Ben oui, tiens, pourquoi pas. Tu vas te mettre un sucre à crème dans la bouche, je vais arrêter de parler. Ah oui, là, c'est sûr. Là. Alors voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine. On vous retrouve donc alors mercredi pour la vidéo de mercredi, samedi pour les réponses à vos questions, tout ça. Puis là, on finit, on vous laisse sur une petite compilation d'images inspirantes et surtout reposantes. Mm-hmm. Ça va vous endormir, vous allez voir. Donc à très bientôt. On est on a très hâte de vous retrouver. Mm-hmm. Et on est super heureux d'être avec vous. Très, très. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye.